Salut tout le monde, c'est JB, on se retrouve pour un nouveau glitch sur Modern Warfare 3. C'est notre 100ème vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait vraiment beaucoup. Du coup, on a décidé de prendre le temps de faire cette vidéo du Prestige Token Glitch qu'on a vu sur internet, hein. C'est pas nous qui l'avons trouvé. Dans tous les cas, ce glitch est vraiment très utile, très cool. Et ça peut vous faire débloquer plein de trucs puisqu'il vous permet de débloquer les items du Prestige Shop tout simplement à l'infini, illimité. Donc petite précision, pour faire ce glitch que vous me voyez en train de faire, vous devez n'avoir qu'un seul Prestige Token dans votre shop. Vous êtes dans le groupe d'un ami, vous rendez dans le Prestige Shop comme je le fais, on revoit le glitch au ralenti. Je vais choisir l'option double weapon XP, donc en français c'est pour avoir les points armes en double, et je vais sélectionner sans cliquer, très important, sans cliquer, l'option non. Mon ami, en l'occurrence Corentin Cham, va lancer la partie et quitter instantanément. Je vais me retrouver avec la possibilité de me déplacer dans les menus. Maintenant c'est très simple, vous retournez dans le Prestige Shop comme je le fais. Et vous allez choisir un autre item du Prestige Shop. Je vais choisir le double XP par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Je vous conseille de faire comme moi, comme ça vous prenez pas de risque que ça faille. Et je l'unlock. Mais grâce au glitch, ça m'a fait débloquer deux. Ça m'a fait utiliser deux Prestige Tokens alors que j'en avais pas. Je me retrouve en bas à gauche, on peut le voir, avec un chiffre rouge et un nombre négatif. J'ai donc dépassé la limite de la protection de Call of Duty. Et je peux donc, comme on va le voir tout de suite, utiliser les Prestige Tokens à l'infini. Donc j'ai accéléré, je suis descendu jusqu'à 223 tout à l'heure. 20 par 20 jours carrément. 2 double XP. Une dizaine d'heures pour le double XP arme. Enfin bref, vous voyez que c'est une merveille ce glitch. Donc un gros glitch pour notre 100ème vidéo. Je vous laisse appuyer sur le bouton j'aime ou j'aime pas en fonction de vos goûts. Et je vous dis à la prochaine.